Eh bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc à la Cité internationale universitaire pour ce grand entretien avec Jean-François Clairvoy. On va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis Plus facile. Au moins le XXe siècle. D'habitude, on se vouvoie quand on se rencontre sur des plateaux de télévision. Mais là, je pense qu'on va se tutoyer, sinon on va avoir un peu de difficulté. Voilà, cette enregistrement donc a lieu à la Cité internationale universitaire, je le disais, je bafouille, dans le cadre de la semaine qui voit les nuits des étoiles d'hiver démarrer aussi pour tout le week-end, permettre à un plus grand nombre de personnes d'observer et découvrir le ciel. Je t'ai jamais demandé d'ailleurs si tu avais une petite lunette chez toi. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai une lunette de 30 mm. Oui. Qui m'a permis très très jeune de voir de mes propres yeux les anneaux de Saturne. Ouais. Ah, j'étais content. Et j'ai toujours mis, après ma mission vers le télescope spatial Hubble, j'étais obsédé, il fallait que j'aie mon télescope. C'est idiot, hein. Donc j'ai tout lu, j'ai tout regardé, j'ai finalement une lunette, un réfracteur, comme on dit, de 10 mètres de focale, 120 mm d'ouverture. Et dans les 10 ans qui ont suivi, j'ai dû la sortir 3 fois. L'important, c'était que je l'ai, quoi. Mais maintenant, je l'utilise plus souvent. Alors, je ne t'ai pas présenté, mais comme on dit, qu'on ne présente plus. Jean-François, tu es un voyageur spatial expérimenté, donc astronaute de l'Agence spatiale européenne, maintenant, je dirais, libéré d'obligations. Tu es titulaire de 3 vols dans l'espace, 2 à bord de la navette Atlantis et un vol à bord de Discovery donc pour réparer le télescope spatial Hubble. Tu es fondateur d'Air0G, qui est le seul opérateur de vol en apesanteur en Europe. On va en parler aussi. Et tu es co-auteur avec l'ami Franck Lehaut, qui est médecin aérospatial et instructeur de vol public en apesanteur, d'entretien avec un astronaute qui est paru tout récemment donc aux éditions. Franck me disait, c'est le livre qu'il aurait aimé avoir sur sa table de chevet quand il était gamin, pour avoir toutes les réponses aux questions qu'on a envie de poser à un astronaute sur son expérience, sur ses vols, sur comment son expérience du vol spatial influe sur ses réflexions, sur les questions de société générale. Voilà, ça a donné ce livre. Super. Et qui est édité donc chez Deboc et qui fait suite à l'histoire de la conquête spatiale que vous avez co-signée aussi Qui est en fait l'histoire de la conquête spatiale que des vols habités, ouais, sous forme d'almanach. Très sympa à lire. On a identifié 70 ou 80 étapes clés dans l'histoire des vols habités depuis Gagarine. Et pour chaque événement clé, il y a 2 pages. Anecdotes et photos à gauche et que des photos à droite. Et entrecoupés d'inserts qui répondent pas à des questions d'histoire, mais aux questions classiques, les plus classiques qu'on pose aux astronautes et qui sont elles-mêmes, qui sont sur une double page. Donc c'est un livre d'histoire sous forme d'almanach, avec de temps en temps parsemé sur une double page, un tout petit texte sur une seule photo double page. Voilà, pourquoi on grandit dans l'espace, par exemple. Ouais. La différence entre le risque et le danger, par exemple. Risque et danger. Mais je voudrais démarrer par une actualité que m'a signalée mon confrère journaliste à Ciel et Espace, donc Jean-Luc Dauvergne, qui est présent ici. Dans quelques jours, ça sort donc mercredi prochain, un film de Nicolas Giraud qui s'appelle « L'astronaute », qui est une fiction dont tu es le conseiller scientifique. Alors, avec Mathieu Kassovitz, qui est, lui, l'astronaute retiré du monde, donc celui qui a fait les vols spatiaux. On peut citer Hippolyte Girardot, Bruno Locher, etc. Il y a un beau casting. Et le résumé du scénario, c'est Jim, ingénieur en aéronautique chez Ariane Group. En astronautique. En astronautique, pardon. Et plus précisément, en propulsion spatiale. En propulsion spatiale. Se consacre à un projet secret, construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en amateur. On se dit, mais c'est une plaisanterie. Ben aujourd'hui, oui, parce qu'aujourd'hui, d'abord, sur le plan de la réglementation, vous devez déclarer, et puis c'est prendre beaucoup de risques quand même. C'est un travail qui demande beaucoup d'expertise. Mais lui, dans cette histoire, ce qui est raisonnable, il est ingénieur en rocket science, en propulsion spatiale. Donc il sait de quoi il parle. Il sait quel risque il prend. Et il est prêt à prendre un risque très élevé. Alors voilà, il construit sa propre fusée. Il est sur 7 ou 8 ans, je crois, c'est sur plusieurs années.
Mais c'est crédible? Alors aujourd'hui, sa fusée, pour la faire tout seul, c'est une fusée à un étage. Vous savez, une fusée, c'est essentiellement un gros réservoir de carburant, un moteur qui va le consommer très vite, et en haut, une toute petite charge utile. Pour vous donner quelques chiffres, les fusées qui lancent les satellites automatiques, comme Ariane en orbite géostationnaire, 1% seulement de la masse qui décolle est la partie utile qui va faire son travail dans l'espace. Le reste, c'est que de l'explosif et de la tôle et des moteurs. C'est-à-dire qu'en astronautique, il y a deux grandes familles. Il y a les lanceurs et les satellites, les vaisseaux qui sont mis dans l'espace par les lanceurs. Une fusée, qu'on appelle aussi lanceur, ce n'est pas une fin en soi. Mais il faut passer par une fusée pour mettre quoi que ce soit en orbite. Il faut communiquer une vitesse de 28 000 km par heure horizontale. Donc le rôle de toute fusée, c'est vite traverser l'atmosphère, ça prend 2 minutes. La navette, par exemple, au bout de 2 minutes, on est à 50 km d'altitude, à 5 fois la vitesse du son. Et à ce moment-là, on incline la trajectoire à l'horizontale et on accélère jusqu'à atteindre 28 000 km à l'heure. Et ça prend 8 minutes et demie, c'est très rapide. Alors, le principe, c'est d'utiliser des étages. Pourquoi les fusées ont des étages? C'est parce qu'à un moment donné, vous avez vidé une grande partie des réservoirs, donc la masse du réservoir ne sert plus à rien. Or, vous devez continuer à gagner de la vitesse. Et vous gagnez plus facilement de la vitesse si ce que vous voulez accélérer est plus léger. Donc, on se débarrasse au fur et à mesure de la montée des réservoirs qui sont vides. C'est le principe des fusées à étages. Donc, il y a beaucoup de fusées à 2 étages, 3 étages, il y a même à 4 étages. La navette spatiale, il y a 2 étages. Lui, pour faire sa fusée, il l'a fait à 1 étage. C'est le rêve de tous les rocket scientists, ce qu'on appelle en anglais le single stage to orbit, SSTO. Alors il y a des ingénieurs qui ont fait des calculs, qui ont essayé. À ce jour, on n'a pas réussi. Mais si on imagine, ça c'est la fiction, avoir trouvé un carburant, un comburant, c'est-à-dire un propergol, la matière explosive qui va créer la propulsion, qui est plus performante que ce qu'on utilise aujourd'hui, on peut imaginer qu'en 1 étage, il atteint la vitesse orbitale. Voilà. Donc, sa fusée, elle est à 1 seul étage. Elle est faite par une petite équipe. Il ne fait pas autant d'essais qu'on fait sur toutes les fusées et les satellites. Vous savez pourquoi on fait beaucoup, beaucoup d'essais quand on développe une nouvelle fusée, un satellite? C'est parce qu'une fois que c'est allumé, il n'y a plus personne qui peut intervenir. Vous ne pouvez pas appeler le plombier, l'électricien, j'ai une panne. Il faut que ça marche. Et une fois dans l'espace, c'est pareil. Vous avez une panne sur votre voiture, vous la ramenez au garage. Mais un vaisseau spatial, il y a une panne, bon, s'il y a des gens à bord, ils peuvent aider, mais s'il n'y a personne, c'est pour ça qu'on teste énormément. Lui, il fait un peu de test, mais pas autant que... Donc, c'est pas interdit par les lois de la physique, tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de violation des lois de la physique. Il y a quelques violations de la technologie d'aujourd'hui, mais sur le principe, c'est pas impossible. Ce qui est drôle, c'est pour le compte, les acteurs, et je pense à Kasowitz, là, pour le compte, s'intéressent vraiment à l'espace. Oui, Mathieu Kassovitz, il a un rêve personnel depuis longtemps de faire un film sur l'espace qui s'appelait Us, US. Et il est venu nous voir à Houston à l'entraînement. Il est venu tester dans notre avion 0G plusieurs technologies différentes de caméras 3D. D'ailleurs, après, quand on a vu les rushs 2 semaines après ou 1 mois après dans un cinéma à Paris, c'était vraiment waouh. En 3D, on avait l'impression d'être dedans, quoi, dans l'avion en apesanteur. J'ai même passé une semaine chez lui, il m'a invité pour creuser, détailler le scénario de son film qu'il voulait faire. Pour diverses raisons, le film ne s'est toujours pas fait. Mais là, quand on lui a proposé un rôle d'astronaute vétéran, il s'est dit, je rentre un peu dans la peau des personnages que je voulais pour mon film. Donc c'est en attendant peut-être qu'il fasse son film un jour. Mais il est vraiment parfaitement dans la peau de l'astronaute vétéran qui s'est un peu rebellé en fin de carrière, comme il y en a à qui c'est arrivé. Hein. Mais qui a l'expérience. J'ai vu une bande-annonce de film qui, on verra peut-être en France, mais qui est tournée par les Russes, pour le compte, avec une actrice qui est partie à bord de la Station Spatiale Internationale pour un film. C'est une actrice russe. Très, très belle histoire. Est-ce que le cinéma peut rendre compte valablement de ce que l'on éprouve à bord d'un engin spatial autour de la Terre? Oui, alors, c'est vrai, il y a des films de l'espace qui se terminent par le décollage.
C'est le cas de l'astronaute, je ne raconte pas la fin, mais on voit la fusée qui décolle. Le film d'Alice Winocourt, Proxima, qui est une très belle histoire d'une astronaute française jouée par Eva Green, qui se prépare pour une mission spatiale. Et tout ce qu'elle vit, le stress de l'entraînement, c'est très réaliste. Ça se termine par le décollage. Puis il y a des films, vous êtes déjà dans l'espace. Par exemple, Gravity. Gravity, en termes d'expérience sensorielle, c'est-à-dire la façon dont on vous fait voir l'espace, de jour, de nuit, la Terre, les vaisseaux, dedans, dehors, l'acoustique, selon que vous soyez dans le vaisseau, à la radio, dans votre scaphandre, la pesanteur, c'est exactement comme ça. Je veux dire, la première scène, je me dis, mais c'est des images de ma mission vers Hubble. C'était pareil. Et puis, dès qu'on entend la musique dans le scaphandre de Matt Kowalski, le commandant bord qui fait le VA avec Sharon, celle qui est jouée par Sandra Bullock. Sandra Bullock. Oui, c'est Stone, non? Comment elle s'appelle? Oui, c'est ça, le nom de l'actrice, le nom du personnage. En fait, on se dit là, c'est plus sérieux, parce que nous, quand on fait une sortie dans l'espace, il n'y a pas de distraction, quoi. Il n'y a pas de musique. On doit être prêt à parler, à recevoir un appel du sol. Mais sur, indépendamment de l'histoire, l'expérience sensorielle qu'on vous fait vivre dans le film Gravity est exactement, est très, très, c'est le plus proche qui existe de la réalité. Il y a deux approches, parce que tu parles de Gravity. Et il y a un autre film qui est assez, je dirais, emblématique, qui est Interstellar, qui cette fois-ci est un voyage au long cours, etc. On a deux approches différentes de l'espace. Je pense que tous ces films, ils ont chacun à leur façon un très bon réalisme dans un domaine. Gravity, c'est l'expérience sensorielle. Interstellar, sur le plan astronautique, c'est très bien fait. C'est très réaliste. Maintenant, sur le plan de la relativité générale, ça respecte au mieux les lois qui décrivent notre univers aujourd'hui. Alors maintenant, quand vous il n'y a pas de point de singularité près de Saturne, le trou de ver là. Ouais. Mais s'il y en avait un, enfin, les lois de la physique, ce n'est pas ma spécialité, mais ce que j'ai compris, c'est que les lois de la physique admises aujourd'hui, basées sur la relativité générale qui décrivent notre univers, n'interdisent pas l'existence de points de singularité. Dans un point de singularité, vous pouvez passer dans un univers parallèle. Les décalages temporels peuvent exister. Enfin, ça se teste en laboratoire. Bon, ce qui n'est pas réaliste, par exemple, c'est qu'un objet macroscopique comme un vaisseau qui s'approche d'un trou noir ou d'un trou de ver subit un gradient de gravité tel qu'il est, il est déchiqueté. Le gradient de gravité, c'est la façon dont dont la force de gravité varie dans l'espace là où vous êtes. Si la gravité à mes pieds est 1000 fois supérieure à celle qui règne au niveau de ma tête, mon pied est arraché par... c'est ce qui s'est passé avec la comète Schumacher-Levy qui s'est désagrégée. On va peut-être changer de micro, parce que celui-ci fait beaucoup de bruit. On va tenter. Et celui-là, ah ben celui-là, il est celui-ci cool. Est beaucoup plus sympathique. Ah, tu vois, c'était pas moi. Et cette fois-ci, non, mais c'est pour ça. Oui. Juste, c'était un petit peu par rapport à l'approche cinématographique des deux films. Oui. Le premier, c'est l'espace est hostile et c'est la Terre qui finalement, c'est Gaïa, quoi. C'est Mother Earth. Et ça restera comme ça longtemps. Et le deuxième, c'est finalement la Terre, elle est morte. Et Interstellar, c'est l'idée qu'il y a autre chose ailleurs. Il y a ces deux aspects dans le cinéma et dans la fiction. Et on se pose ces questions en vrai. Quand on est dans l'espace, on regarde la Terre, on est émerveillé, on est ému, on a des larmes, même si vous êtes le plus endurci des astronautes, comme dans le film Gravity d'ailleurs, où Matt Kowalski, on fait s'émerveiller comme un gamin à plusieurs reprises. Et puis vous verrez dans le film L'Astronaute aussi, Jim, il a une expérience particulière. Mais c'est une question qu'on se pose quand on est dans l'espace, qu'on regarde la Terre. On voit qu'elle est finie. Et puis, on la voit comme un vaisseau spatial naturel qui nous transporte tous à 100 et quelques mille kilomètres par heure, là, autour du Soleil. Mais on sait que le Soleil, il a une vie limitée. Alors, encore une fois, je ne suis pas astronome ni astrophysicien. Mais bon, ce que j'ai compris, c'est que le Soleil, c'est André Braille qui m'avait expliqué, dans 1 milliard d'années au plus tard, il aura évolué, il aura commencé à évoluer en géante rouge, même s'il reste encore 3 milliards d'années de carburant, de fusion, et il reste encore 3,5 milliards d'années à la Terre à orbiter autour du Soleil. Mais à ce moment-là, toute vie
sous quelque forme que ce soit, organique, dans les airs, à la surface ou sous terre, sera devenu impossible. Il n'y aura plus de vie sur Terre. Alors la question, c'est, est-ce que c'est important ou pas de pérenniser l'espèce humaine ? Moi, c'est vraiment des questions que je me suis posées, qu'on a discutées entre nous en orbite. Tu vois, là, on est capable d'aller dans l'espace. Si un jour, on arrivait à répandre l'humanité ailleurs, à apprendre à vivre ailleurs, eh bien, ça permettra à l'humanité de ne pas avoir disparu avec le vivant sur Terre. Mais c'est des échelles de temps différentes. Oui, on a des centaines de millions d'années, des milliers d'années, voire des millions d'années. Vous savez pourquoi les dinosaures ont disparu ? C'est un écrivain américain. Parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. Voilà. Nous, on a la chance d'être capables de concevoir des vaisseaux de plus en plus performants, qui envoient de plus en plus de personnes, de plus en plus loin. Peut-être que dans 100 ans, ou 1000 ans, ou même 100 000 ans, on sera capable de pérenniser l'espèce humaine. Mais... Je voudrais qu'on parle de ton expérience, oui, François. J'ai lu dans Entretien avec un astronaute quelque chose qui me plaisait beaucoup. C'est tu dis dès mon enfance, avant même d'aller dans l'espace, je rêvais la nuit que je m'élevais et que je voyais la Terre de haut. C'est vrai. Ça m'a vraiment marqué toute mon enfance. Je regrette maintenant de faire ce genre de rêve trop rarement, une fois par mois en moyenne. Mais j'ai l'impression de mémoire que c'était presque toutes les nuits. Je m'endormais et je me retrouvais dans mon vaisseau, qui était mon lit. Je n'avais pas besoin de scaphandre. Je m'élevais tout doucement, je partais. Puis je voyais dans mon rêve ma maison comme j'imagine que je la verrais si vraiment je m'élevais au-dessus. Et je montais, puis je voyais la ville. Puis la France, comme je l'apprenais à l'école en primaire sur les cartes, qu'il fallait qu'on apprenne à dessiner à peu près par cœur. Tu te souviens, les cartes de la géographie. Puis je m'éloignais de la Terre et je voyageais dans l'espace. Et j'adorais ça. J'adorais ça. Et je me réveillais le matin en me disant, ah ben zut, c'était qu'un rêve. Parce que je me souviens bien de tous mes rêves en général. Et vraiment, quand je me réveillais, c'était la déception. Parce que pendant le rêve, c'était vraiment réel pour moi. Et après, tu décris ton métier d'astronaute. Alors là, c'est complètement autre chose. Je te cite toujours. Tu dis, l'astronaute, donc c'est ce que tu fais, c'est un métier qui consiste à être opérateur de machines complexes en environnement extrême, hostile, confiné et isolé. Oui, en fait, c'est vrai que quand un enfant dit qu'il rêve d'être astronaute, je dis ça avec du recul maintenant, ce qui veut dire par là, il rêve d'aller dans l'espace. Mais le métier d'astronaute en soi, ça consiste en quoi ? Ils ne le savent pas du tout. Et beaucoup de personnes, d'ailleurs, ne savent pas. Le métier d'astronaute consiste à être opérateur de machine. Qu'est-ce que c'est être opérateur de machine ? C'est agir sur des commandes en fonction d'informations présentées sur des écrans, et en respectant une procédure. Quand vous mettez en marche votre machine à café, votre machine à laver, quand vous conduisez un scooter ou une voiture, vous êtes opérateur d'une machine. Vous agissez sur des commandes, des pédales, le volant, des interrupteurs. Ben, un astronaute, il fait ça du matin au soir. C'est ça son job. Les machines complexes, c'est le vaisseau, le scaphandre quand il est dehors. Le scaphandre, c'est un mini vaisseau spatial à lui tout seul qui a la forme d'un corps humain. Le bras robotique. Et dans le cas de l'ISS, à 70% de leur temps, c'est du matériel scientifique. Quand vous entendez dire les astronautes font de la recherche scientifique dans l'espace, c'est un raccourci de langage. C'est évidemment pas l'astronaute qui fait la recherche. Il est opérateur d'instruments scientifiques, par exemple de séquenceurs d'ADN. On en a à bord, de microscopes, de boîtes à gants pour faire des prélèvements chimiques, biologiques, pour mettre en marche des centrifugeuses, d'échantillons biologiques. Mais l'astronaute, il met en œuvre les instruments. C'est pas lui qui analyse les données et les publie dans les revues. Il envoie les échantillons au sol, les données. Donc, dans le cas de l'ISS, 70% du temps, les machines sur lesquelles il agit, c'est des instruments. Mais, alors, hostile, pourquoi ? L'apesanteur, c'est un caractère hostile du vol spatial. Ça modifie le corps, on pourra en parler, les muscles, les os, le système urinaire, digestif, cardiovasculaire, vestibulaire, immunitaire, visuel. Enfin, on devient extraterrestre sur le plan physiologique. Ouais. Dehors, c'est le vide. Les températures varient de moins de 100 à plus de 100 degrés, selon que vous soyez exposé au soleil ou pas. Hostile parce qu'on est soumis à des radiations qui nous irradient en cumulé sur toute notre carrière. C'est la seule chose qui n'est pas réparable. Quand vous êtes irradié, vous êtes abîmé et c'est un dommage que vous gardez à vie et il se cumule. Donc on porte des dosimètres en permanence sur nous qui mesurent la dose qu'on a accumulée pendant notre vol et c'est mis dans notre dossier médical. Et on s'autorise chez les astronautes 5% de probabilité de plus
que pour les radiologues, par exemple, de mourir d'un cancer dans les 20 ans lié au travail. Donc c'est calculé tout ça. Vous savez, les radiologues ou ceux qui travaillent dans les centrales nucléaires, la loi impose un maximum de quantité de radiation cumulée. C'est voilà. Une population très faible, les astronautes, il y en oui. a eu. Alors c'est déjà arrivé qu'on dise à un astronaute qui s'entraîne pour un vol spatial de longue durée, le soleil se réveille ouais. en ce moment, vous savez, son cycle de 11 ans. On sait que pendant ton vol, tu vas dépasser le maximum qu'on s'autorise à accepter pour un astronaute qu'on emploie, nous, gouvernement, et donc on l'a retiré du vol. Mais en lui disant, on te donnera un petit vol plus tard, quand le soleil se sera rendormi. Mais donc c'est pour ça que c'est aussi, et il y a les débris. Le risque principal de mourir dans l'espace, ce qui n'est jamais arrivé à ce jour, on n'a jamais perdu un seul astronaute en orbite, ou autour de la Lune, ou en transfert lunaire. On a perdu 4 équipages dans l'atmosphère, mais jamais en orbite, alors qu'on a connu les pires catastrophes qu'on puisse connaître en milieu confiné. Apollo 13, c'est le plus connu. Mais Mir a connu aussi en 1997 un feu catastrophique qui a provoqué une fumée tellement dense qu'ils ne voyaient pas leurs doigts à bout de bras. Ils ont cherché leur masque à gaz à tâtons. Quelques mois plus tard, après notre vol, moi je suis arrivé entre les deux, en juin 1997, le jour où est décédé d'ailleurs Jacques-Yves Cousteau, collision à grande vitesse d'un vaisseau ravitailleur qui n'a pas tapé au bon endroit et en plus à grande vitesse. Il a arraché une partie de panneau solaire qui, à l'emplanture, a créé une fuite qui a fait perdre un tiers de l'atmosphère de la station Mir. À chaque fois, on a sauvé l'équipage. Mais le risque principal, c'est les débris. On estime que sur une période de 10 ans, la probabilité de perdre la station à cause d'un débris, ou d'un débris, c'est 1 sur 8. Et sur une période de 10 ans, la probabilité de perdre un astronaute, c'est-à-dire dans des scénarios qui fait qu'ils n'ont pas le temps de s'échapper dans leur vaisseau, c'est 1 sur 60. Donc c'est pour ça que je disais hostile, extrême, mais aussi hostile. Alors confiné, on les a en petits volumes. Quoique l'ISS, c'est équivalent d'un appartement de 300 ou 400 mètres carrés pour 6 personnes. C'est confortable. C'est confortable. Et isolé parce qu'on est loin de tout. La caractéristique du vol spatial, c'est que, un peu comme ceux qui font l'hivernage au pôle, vous ne pouvez pas appeler le plombier ou l'électricien ou appeler un ami. Vous ne pouvez pas ramener votre vaisseau au garage s'il y a une panne. On est isolé. On doit se débrouiller tout seul. Alors avec l'aide du sol par radio. Hein. Par radio. Alors tu expliques qu'il y a deux astronautes qui pour toi sont importants dans l'histoire. Le premier, tu le qualifies de plus grand astronaute de l'histoire. C'est John Young. Pourquoi ? John Young, c'est vraiment l'astronaute à qui j'aurais aimé ressembler. Enfin, c'était mon idole. C'est celui à qui je voulais ressembler dans l'exercice de mon métier d'astronaute. C'est-à-dire très grand technicien de l'astronautique. Deux vols Gemini, dont le premier. Deux vols Apollo vers la Lune, dont un sur la Lune. Deux vols navette, dont le premier. Et soucieux toujours de se poser des questions dans le détail technique. Et j'adore ça. Je peux vous donner un petit exemple. Quand on décolle avec la navette, on se donne une marge de 3 à 5 minutes, ce qu'on appelle la fenêtre de tir. Je parle des vols de rendez-vous. C'est-à-dire, quand vous avez un rendez-vous spatial, c'est-à-dire vous décollez au moment où la Terre, en tournant, a placé votre pas de tir dans le plan de l'orbite du vaisseau qui est déjà là-haut et qu'on veut atteindre. Parce que changer d'altitude dans un plan orbital, c'est très facile. Mais changer de plan d'orbite, c'est impossible. Donc, pour lancer idéalement, on lance, comme font les Russes, pile au moment où la Terre, en tournant, place le pas de tir dans le plan orbital de la cible. Donc, en l'occurrence, en ce moment, la Station Spatiale Internationale. Nous, on prenait de la marge, on faisait une fenêtre de quelques minutes et on lançait en début de fenêtre. C'est-à-dire, on démarre au début quand la Terre n'a pas encore atteint le plan orbital. Donc, pour rejoindre le plan orbital, on est obligé de faire une déviation vers l'est pour rattraper le plan de la cible. Et si là, on a quelques pannes bien identifiées, graves de moteur de propulsion, on tombe dans l'eau. Et John disait, il faut lancer au milieu. Parce qu'en visant au milieu, il y a plein de scénarios dans lesquels on a de grandes chances de perdre d'équipage, qui, dans le cas où on lance pas au début, mais au milieu de la fenêtre, on les récupère sur une des pistes de la côte est des États-Unis. Et ils creusent ça. C'est pareil. Pour eux, il y a une panne emblématique qui ne s'est jamais avérée en vol. Si on perd, par exemple, les boucles de Fréon, si on a une grosse dépressurisation au décollage, il faut revenir sur le pas de tir tout de suite. Ce qu'on appelle le return to launch site.
retour sur le site de lancement. Et la procédure de la navette est calculée pour le faire. Dans le cas le plus probable de faire ça, c'est si on perd un des trois moteurs cryogéniques. Donc, quand on perd trois moteurs, chaque moteur pousse à 104%. Donc, on a trois fois 104% à la montée. Et si on perd un moteur, il nous reste 208% au lieu de 312. Voilà. Donc, je suis John Young aussi, je l'ai eu comme instructeur. Et j'ai beaucoup volé en T-38 avec lui. Donc, je me suis imbibé son expérience. Il était habité d'astronautique, je veux dire. Et c'est lui qui disait, je ne suis pas allé dans l'espace, je suis allé travailler dans l'espace. Oui, il n'aimait pas quand il dit, alors, vous avez marché sur la Lune, how was it to walk on the moon? Et il n'aimait pas ça, il disait, I didn't walk, I worked, j'ai travaillé. Et John Young me disait, donc, écoute, là, on a une panne système, on a toujours les trois moteurs, prends la manette des gaz et pousse à fond, parce que la navette va calculer un retour beaucoup plus tôt que prévu pour se reposer sur la piste. Au lieu de se poser au bout de 40 minutes, on se pose au bout de 20 minutes. Et le deuxième astronaute qui pour toi est un symbole, c'est Story Musgrave. Tu dis, j'ai toujours voulu lui ressembler, pourquoi ? Alors Story Musgrave, lui, il est considéré dans notre génération d'astronautes, enfin celle qui m'a précédé, mais à l'ère navette et Skylab, comme un extraterrestre. C'était l'alien dans le corps des astronautes américains. Il ne pense pas comme les autres. Il y a un documentaire sur lui qui s'appelle Story, c'est son prénom, Story comme histoire. Et vous vous dites, il avait tout pour surtout jamais devenir astronaute. Avec son frère qui s'est suicidé, son père qui s'est suicidé, il a quitté l'école très tôt, il s'est engagé comme mousse sur un bateau, puis un jour il a décidé d'apprendre. Il est devenu médecin, neurochirurgien, pilote, il a passé plein de diplômes de philosophie, etc. Et il pensait jamais comme les autres. Et donc, je lui ai demandé pendant ma première quarantaine de me rendre visite et me donner toutes les idées des choses intéressantes à faire liées au fait que j'étais dans l'espace et indépendante du boulot. Alors, je vais vous donner un exemple d'une idée. Il faut vraiment avoir un peu l'esprit tendu, mais à la fin, c'est quand même génial. Il me dit, comme ton vol, il est sur une orbite qui est très inclinée par rapport au plan de l'équateur, en fait, l'inclinaison la plus forte qui existe dans les vols habités. On ne vole pas au-dessus des pôles parce que là, on se ferait irradier grave. Parce que c'est là que le champ magnétique ramène toutes les particules irradiantes. Donc, le maximum, c'est autour de 60 degrés d'inclinaison. Il me dit, comme tu es sur une inclinaison assez forte, quand tu passeras l'équateur, tu vas faire cet exercice. Tu vas viser un point qui est exactement dans l'axe de ta trajectoire, à l'horizon, donc que tu survoleras que dans 5 ou 6 minutes, comme le sommet d'une montagne. Et tu verras, au moment où tu arrives dessus, eh bien, il n'est pas dessous, il est sur le côté. Parce que le temps que tu as mis à l'atteindre, la Terre a tourné. Parce que quand vous regardez la Terre depuis l'espace, ça défile très vite, mais très très vite, lié à notre vitesse de 28 000 km par heure. À tel point que vous ne pouvez pas dire, oh ça c'est chouette, je vais prendre une photo, c'est trop tard. On ne réussit que les photos pour lesquelles on a préparé à l'avance les appareils photo. Donc, grâce à Story, j'ai visualisé de mes propres yeux que la Terre tourne sur elle-même. Bon, on le sait, hein, mais je l'ai vu. Ouais. Voilà. Et puis, bon, il m'a dit, écoute, en quarantaine, tu n'as qu'à dormir un peu la tête en bas. Donc, j'ai mis plein d'oreillers sous le matelas au niveau des pieds. Et pendant les 7 jours de quarantaine, j'ai dormi en décubitus, comme on dit, pour préparer mon corps à l'afflux de sang vers le haut de la tête. Et c'est vrai que ça aide à préparer à cet afflux qui rend malade beaucoup d'astronautes. Quoi. Est-ce que tu sais ce qui fait que toi, tu es différent aussi des autres, en tant qu'astronaute, par exemple ? Ah, mais on n'est pas nombreux, donc on est tous différents. On a tous, mais je suis le seul à avoir amené un Rubik's Cube trois fois, même qu'une seule fois, parce que j'aime bien jouer. Ouais. J'aime bien tous les jeux d'adresse mentale et gestuelle. J'ai 200 casse-têtes à la maison, en bois, des ficelles, des machins. Et d'ailleurs, quand on donnait des conférences après mon premier vol, les collègues disaient, bon, et maintenant... We give the floor, on donne le micro à Billy Bob, c'est mon surnom d'astronaute, donc j'expliquerai si ça vous intéresse. He was born to play. J'étais né pour jouer, donc j'ai inventé avec les collègues à bord que j'ai invité à participer des tas de jeux dans l'espace. Mais pourquoi Billy Bob ? On va le faire tout de suite. Ah, parce que quand mon premier équipage essayait de prononcer mon prénom correctement, il n'y arrivait jamais. Ça donnait Jean Françoise, voilà, et en prononçant lentement. Et quand on veut appeler un collègue rapidement... ça prend du temps. Donc, ils m'ont demandé si j'avais un surnom à la maison. Il se trouve que j'ai un frère jumeau avec qui on s'appelle Billy depuis qu'on est gamin, depuis qu'on a vu Billy the Kid à la télé. Et encore aujourd'hui. Hein, et alors, on a 64 ans tous les deux. Il est psychiatre à Toulon. Et Billy. Ils m'ont dit, ah, Billy, c'est super, on va t'appeler Billy. Donc, c'est devenu Billy tout de suite. Et puis, au bout de 2 semaines, il y a le commandant de bord. Non, c'était le pilote, Kurt Brown. Mais ici, on est au Texas. Hein.
Et au Texas, on associe toujours le diminutif du premier prénom avec le diminutif du middle name, du deuxième prénom. Donc, ils ont choisi Bob. Il aurait pu être Joe, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, je suis devenu officiellement... Enfin, je suis plus connu à la NASA comme Billy Bob que comme Billy Jean-François. Ouais. Alors, je l'ai dit, trois vols que tu décris, d'ailleurs. Le premier vol, un vol pour la Terre. Le deuxième vol, un vol, une mission pour les hommes. Et puis, le troisième, c'est... réparer le... Pour la science. Pour la science, réparer le Hubble Space Telescope. Il y a une mission qui t'a plus particulièrement marqué qu'une autre ? Pour la vue de la Terre, il n'y a pas photo, c'est la première. On est en vol d'eau, donc les deux grands hublots de qualité optique, les deux plus grands hublots sont sur le plafond, donnés sur la Terre. En plus, sur une orbite très inclinée dont je vous parlais, pendant qu'on tourne sur notre orbite et que la Terre tourne sur elle-même, on survole visuellement une très grande proportion de la surface terrestre. Alors que mon troisième vol, c'était plein est, le lancement pour Hubble. Je survolais que l'équateur plus ou moins 5000 km, quoi. Même pas 3000 km. Donc la première pour la vue de la Terre. Alors comment on ne bénéficie pas au maximum de l'effet de fronte de rotation de la Terre quand vous partez vers le nord, c'était 300 km. Deuxième vol, un peu moins incliné, ravitaillement de la station spatiale russe Mir. Donc un peu plus haut, 400 km. C'est la mission la plus émouvante pour les hommes et les femmes, je dirais. Il y a des gens à bord qui vous attendent. Ils comptent sur vous pour leur amener les vivres, le matériel, les vêtements, etc. Donc, et quand on ouvre la porte, on s'embrasse et c'est très, très émouvant. Aller rencontrer des humains qui sont là-haut déjà. Aller visiter des copains, quoi. C'est comme quand vous allez rendre visite à des amis et pas juste sortir pour faire une balade dans la rue et rentrer chez vous, faire des courses. Mais c'est vrai que quand j'ai relâché Hubble, le jour de Noël, le centre de contrôle nous a demandé de rester en co-orbitation, en patrouille serrée, enfin à quelques centaines de mètres, pas trop près quand même, le temps qu'il vérifie par télécommande que tous nos travaux de réparation fonctionnent. Parce que quand on travaille sur le télescope, on éteint tout pour ne pas prendre de décharge électrique. Donc après, du sol, il télécommande, il réactive tout. On a changé quand même 13 boîtiers électroniques, optiques, informatiques pendant cette mission, et les gyroscopes. Et là... ils nous disent, Hubble est 100% opérationnel, vous pouvez rentrer. Waouh, là, c'est la satisfaction d'avoir fait le job, quoi. Et ça fait plaisir pour ce sentiment-là. Alors, la différence entre toi et nous, pour la plupart d'entre nous, puisqu'il y a quand même très peu de gens qui ont vu la Terre du dessus, c'est justement d'y avoir été, comme on dit. Et est-ce que c'est quelque chose qui peut être vraiment complètement décrit Tu le fais très souvent et très bien par des tas de mots, mais en même temps, c'est une expérience que j'imagine totalement indescriptible. C'est comme la différence entre apprendre quelque chose à l'école que vous allez retransmettre si vous devenez prof. Vous apprenez les maths par un prof et après vous les retransmettez. C'est pas la même chose que transmettre son vécu. Si je vous transmets mon vécu, je fais comme le prof. Vous ne le vivez pas vous-même. Mais c'est tellement extraterrestre au niveau physiologique, psychologique, émotionnel, sensoriel, spirituel, intellectuel, que c'est... Il y a des moments, surtout la première, vous arrivez dans l'espace, vous regardez par les hublots, vous avez beau avoir vu les films, vous représentez, vous avez parlé à tous. Moi, il n'y a rien qui m'a surpris pendant la montée. J'avais interrogé John Young sous toutes les coutures et tous les collègues. Tout s'est passé comme je me l'étais figuré. Et c'était comme dans le simulateur. Mais quand je suis arrivé au hublot la première fois, c'est... Wow ! Et ça, c'est bouleversant. Et on ne peut pas le décrire. C'est ce qu'on appelle l'overview effect. Vous êtes envahi par un sentiment... Parce que vous voyez comme vous n'avez jamais vu. Vous sentez votre corps comme vous ne l'avez jamais senti. En fait, c'est-à-dire que vous ne le sentez pas du tout. Vous arrivez même à oublier que vous avez un corps. S'il n'y a rien qui vous gratte quelque part ou qui vous fait mal, votre corps ne presse plus sur rien. Donc parfois, vous baissez les jambes. Ah ben tiens, oui, c'est vrai, j'ai des jambes, quoi. Vous êtes une conscience flottante. Et être en apesanteur en continu, à regarder la Terre par le hublot, on ne peut pas trouver les mots. On peut chercher les mots les plus proches pour vous le faire, vous l'imaginer. Mais si vous le vivez, même après tout ce que vous pouvez faire pour vous le représenter au mieux avant de le vivre, quand vous le vivez par vous-même, ce qui a été mon cas, donc là tout, c'est unique. Je vous dis, j'avais tout lu, tout,
tout entendu, tout échangé. Mais c'est très, très fort. Ça veut dire que, ça veut dire que tu reviens transformé. Il y a une forme de connexion à la planète qui se fait. Vous dites, on a de la chance. Quelle chance on a eu, nous, d'être apparus sur une planète aussi belle, colorée, contrastée, qui abrite le vivant, qui est très puissante. La Terre, elle n'est pas fragile. Ça, quand vous voyez les volcans, les ouragans, les aurores polaires, les impacts d'astéroïdes laissés dans le passé, vous dites que c'est largement plus puissant que nous. C'est nous qui sommes fragiles. Et le vivant en général. Et ça, on le réalise quand on regarde l'épaisseur de l'atmosphère vue par sa tranche à l'horizon. L'horizon est à environ 2500 km. C'est-à-dire quand vous êtes à 400 km d'altitude, Hubble c'était 600, après mon premier vol 300, deuxième 400, troisième 600, et les inclinaisons c'était à chaque fois de moins en moins incliné, mais ça reste environ de l'ordre de 2500 km. L'endroit où la Terre, qui est ronde, fait que ce qu'il y a derrière, vous ne voyez pas, mais vous voyez que l'atmosphère vue par sa tranche est extrêmement fine. L'atmosphère, vous ne la voyez pas quand vous êtes sur Terre, même en avion, c'est transparent. Mais quand vous êtes dans l'espace, dans le vide, il y a la Terre, le noir vide, apparemment vide du cosmos, on ne voit pas les étoiles, on a l'impression que c'est vide à l'infini, et ce qui fait la liaison, c'est un liseré tout mince bleu. Et on se dit, c'est pas grand-chose, quoi. Puisque nous sommes, entre autres, à l'Association française d'astronomie, la question obligatoire, c'est à quoi ressemble le ciel vu de l'espace ? Alors, si vous regardez spontanément par le hublot, il n'y a rien. C'est noir d'encre. Comme le décrivait Story Musgrave, c'est comme du marshmallow qu'on imagine derrière le hublot. C'est noir, mais c'est noir. Est-ce qu'il y a de la matière qui est totalement noire ou est-ce que c'est vide ? Mais c'est noir, profond, d'encre à l'infini. Il y a la Terre, le Soleil, la Lune, rien d'autre. Donc si vous voulez voir les étoiles, il faut le vouloir. Il faut faire quelque chose pour les voir. Et ça, c'est Story qui m'avait préparé. Il m'a dit, il y a des astronautes qui ont oublié d'essayer de voir les étoiles depuis l'espace, ce qui est dommage. J'ai même des collègues qui, après leur vol, il faut se mettre d'accord entre nous. Quand on passe du côté nocturne, c'est-à-dire opposé du Soleil, pendant les 45 minutes, la moitié de notre orbite, on survole le côté où il fait nuit. On éteint toutes les lumières. Mais quand je dis toutes les lumières, c'est tous les écrans d'ordinateur. Normalement, c'est interdit. D'ailleurs, avec Hubert Reeves, une fois, en croisière, on passait l'équateur. On avait obtenu du pacha sur le bateau d'éteindre toutes les lumières. Normalement, c'est interdit par les lois de la sécurité. Mais nous, on le fait dans l'espace, une fois. On éteint toutes les lumières, tout. On attend que les bâtonnets s'activent. Vous savez, les bâtonnets, les cellules de la rétine dédiées à la vision nocturne qui servent à voir de nuit. Et puis la pupille se dilate et au bout là, de 10 minutes, un quart d'heure, c'est tapissé. Mais tapissé, mais elle ne scintille pas. Parce qu'on ne les voit pas à travers l'atmosphère, donc elles sont très nettes. Si vous avez une bonne vue, vous percevez les couleurs. Ce qui est plus difficile, quand ça scintille, c'est plus difficile de percevoir la couleur des étoiles qui dépendent de leur température. Et autant avant, on se disait, ah merde, on est tout seul, il n'y a personne dans l'univers, on est tout seul, l'humanité, dans notre univers. Autant là, vous dites, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on soit tout seul. Mais on est peut-être tout seul, d'ailleurs. J'en sais rien. Mais c'est superbe, c'est très beau. Et alors la Voie lactée. Mais je pense que vous pouvez vivre ça. Certains d'entre vous qui sont fanats d'astronomie, vous êtes déjà allés au sommet des montagnes l'été. Moi, mon fantasme que je n'ai pas encore réalisé, c'est l'Atacama. Voilà. Parce que je pense que si vous êtes à 4000 mètres dans un air très sec, vous vivez la même expérience. Ce n'est pas spécifique au fait qu'on est dans l'espace. Alors, les gens qui ne connaissent pas trop l'astronautique me demandent alors, ça, elle ressemble à quoi les poussières des gaz interstellaires ? Vous êtes passé. Vous avez marché combien de fois sur la Lune et quand vous avez dépassé le système solaire, enfin, les gens ne réalisent pas, tous les astronautes, ils sont à l'échelle d'un globe terrestre de cette taille, on est à 3-4 mm. On est tout près. Sauf ceux, la vingtaine, la grosse vingtaine, qui sont partis à 1000 fois ça il y a 50 ans. Oui, ils ont vu la Terre comme ça. Et quelle est la question qu'on te pose le plus souvent en public sur la vie dans l'espace ? Parce que ça fascine. Alors c'est, est-ce que vous croyez aux ovnis ? Qui est un mélange de deux questions. Là-dedans, il y a la question du phénomène ovni, qu'on appelle maintenant PAN, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Le phénomène est avéré. Le phénomène existe. Il y a suffisamment de cas, même s'ils ne sont pas très nombreux, où on a les témoignages des gens au sol, des pilotes, des radars. Enfin, le truc a eu lieu. Mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Alors, parmi les hypothèses,
Il y a l'hypothèse d'intelligence extraterrestre nous rendant visite avec des objets qui ont une technologie qui nous dépasse. Bon, c'est l'hypothèse la plus simple à avancer, mais c'est probablement pas la vraie. Sinon, on le saurait quand même. Hein. Mais c'est vrai que si vous voulez trouver une autre hypothèse, les autres hypothèses que vous pouvez imaginer, elles sont beaucoup, très tordues en général. Mais c'est, donc, le phénomène OVNI est avéré, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. C'est d'ailleurs des questions sur lesquelles des scientifiques se penchent, notamment à l'Association aéronautique astronautique de France, la 3AF, société savante très sérieuse. Mais l'autre question, c'est est-ce que la vie existe ailleurs ? Et ça, moi, j'aimerais bien savoir. Donc, je discute souvent avec des exobiologistes qui me racontent des tas de choses. C'est une science très exigeante, hein, parce qu'il faut être à la fois expert en chimie, en biologie, en planétologie, en climatologie. C'est compliqué. Mais on fait des expériences d'exobiologie dans l'espace. Vous savez, l'exobiologie, c'est la science qui, entre autres, étudie l'origine de la vie, comment elle a évolué, comment elle nous a amenés à nous. Et puis, est-ce qu'elle peut exister dans l'espace ? Et est-ce que le vivant terrestre peut s'adapter au milieu extraterrestre ? Et à ce titre, on envoie parfois dans l'ISS des colonies de tardigrades qui sont tout petits, ils sont de l'ordre du dixième de millimètre. On les met dehors dans le vide. Leur corps varie en température de moins 200 à plus de 100 degrés, suivant qu'ils soient à l'ombre ou au soleil. On les ramène au bout de quelques mois, on les remet dans l'eau, hop, ils revivent. Voilà. Ce sont les spécialistes de la cryptobiose. Vous savez, c'est pas des vrais extrémophiles, parce qu'un extrémophile, c'est quelque chose qui vit dans le milieu extrême. Eux, dès qu'ils sont dans le milieu extrême, ils se mettent en état de vie latente, un peu comme les pifis. Vous vous souvenez, le gadget pif, quand j'étais gamin, il y a 60 ans ou 50 ans, les triops, ces petites larves de crevettes qui peuvent rester pendant 3000 ans au sec. Dès que vous les mettez dans l'eau, ça donne des crevettes. Mais voilà, donc l'exobiologie, c'est une science passionnante. Je suis loin d'être expert, mais mon fantasme, c'est qu'avant de mourir, on ait un début de commencement de réponse au fait que la vie a pu exister ailleurs ou pas. Ça, on pourra jamais prouver que ça n'existe pas, mais on pourra peut-être prouver que ça a existé. Voilà. Mais peut-être jamais, d'ailleurs. Comme disait Hubert Reeves, l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. Mais c'est quand même une question géniale, quoi. Est-ce qu'on est seul ou pas ? Jean-François, tu avais 10 ans et quelques, on avait le même âge pratiquement, lorsque l'homme marchait sur la Lune, juillet 69, et puis ça s'est arrêté en 72 avec la dernière mission d'Harrison Schmitt et compagnie, donc très très belle mission qui durait 3 jours pour collecter des échantillons. C'est reparti. En tout cas, c'est reparti du côté sans doute américain, c'est dans les tuyaux, comme on dit, du côté chinois. On va vivre quelque chose qui est tout à fait nouveau. C'est plus du tout la même technologie. C'est plus du tout les mêmes programmes. C'est plus la même compétition. L'URSS a disparu. Pour les astronautes, c'est effectivement quelque chose d'enthousiasmant, mais ce n'est pas le but ultime non plus. Les questions sont assez vastes, mais tu vas suivre ça de près. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, est-ce que génial. Tu aimerais y être ? Alors, on nous pose souvent la question, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce regain de retour de l'homme sur la Lune. En fait, dans notre milieu, on n'a jamais perdu l'envie et l'intérêt de retourner sur la Lune. Le programme le plus ambitieux de tous les temps du retour sur la Lune, c'est celui lancé par George W. Bush en 2000, le programme Constellation, hyper ambitieux. Mais tant qu'il n'y a rien qui parlait, les médias n'en parlaient pas. Et quand Obama a été élu, il a tout arrêté. Mais là, on en parle parce qu'il y a quelque chose de concret, fabriqué, qui a décollé. Donc, ben c'est génial parce qu'on va aller vers des endroits qu'on ne connaît pas, où on n'est jamais allé, où il y a des tas de choses intéressantes à voir. Le pôle sud et le fond des cratères qui n'ont pas vu la lumière depuis des millions d'années ou même des milliards d'années peut-être. Où on pense qu'il y a de la glace, on ne sait pas en quelle quantité, mais on sait qu'il y en a, on sait qu'il y a de l'eau. Et vous vous souvenez, dans Tintin, il y avait de la glace dans les grottes là. Il était visionnaire quand même, Hergé. Mais non, la raison pour laquelle on retourne sur la Lune, principale, c'est une raison opérationnelle. C'est répéter sur la Lune, comme un terrain d'essai, ce qu'on envisage de faire un jour autour et sur Mars. Parce que la Lune, on la voit, on peut revenir rapidement, on peut parler en temps réel avec l'équipage, donc on peut faire des petites conneries, des erreurs, on pourra corriger. Qu'est-ce que ça représente de ravitailler une station en orbite d'un autre astre ou sur un autre astre avec une gravité réduite ? Parce que Mars, y aller du premier coup, on pourrait peut-être le faire. Mais c'est vrai que dans l'histoire de l'humanité, pour la première fois, des humains ne verront plus la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. C'est jamais arrivé. Qui peut raconter ce que c'est ? Certains peuvent imaginer, oh, moi je sais que ça ne me ferait rien. Mais j'en connais qui me dit ça. Mais qu'est-ce qu'ils en savent ? On ne verra plus la Terre.
on ne pourra plus converser en temps réel avec la Terre. Et pire que tout, que les gens ne réalisent pas, mais moi ça me touche en tant qu'astronaute, c'est que dans toutes les missions spatiales depuis Gagarine, dans tous les scénarios, y compris Apollo, il y a le scénario de retour d'urgence. J'appuie sur le bouton et je configure pour... Je mets la priorité sur le retour sur Terre le plus tôt possible. Depuis la Lune, c'est 3 jours. Depuis l'orbite basse comme l'ISS, c'est une demi-journée, typiquement. Depuis la navette spatiale, on pouvait le faire en une demi-heure. Si on perd les 2 boucles de Fréon, on ne peut plus refroidir les électroniques. Il faut que dans la demi-heure qui suive, on soit dans l'atmosphère, qu'il y ait une piste ou pas, et on saute en parachute. Et on le fait. Et donc, mais vous partez vers Mars, vous êtes parti, quoi qu'il arrive, pour des mois et des mois et des mois, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de moyen de retour tout de suite. C'est pour ça que moi, je milite pour une mission à plusieurs vaisseaux, comme à la Christophe Colomb. Quoi. C'est-à-dire plusieurs vaisseaux de constructions différentes, de consortiums, de partenariats internationaux, coopératives, industrielles, d'agences différentes, mais qui ont au moins les fréquences radio communes, les ports d'accostage compatibles. Et donc, vous pouvez parler à la radio à quelqu'un d'autre qui n'est pas dans votre vaisseau, mais qui répond en temps réel. Et vous savez que vous pouvez vous sauver mutuellement. Des scientifiques comme Michel Mayor, que tu connais bien, qui a découvert la première exoplanète, dit non, en fait, ça ne tient pas la route, on n'ira pas sur Mars, c'est impossible. Trop de contraintes physiques, techniques, financières, ce n'est pas le moment, etc. etc. Enfin, tout cela n'existera pas au XXIe siècle. Ah, si. Dans ce siècle, des humains connaîtront le voisinage de Mars. Je ne dis pas qu'ils se poseront. Au mieux, ils se poseront vers le milieu du siècle, je pense. Parce que rajouter la descente et la remontée à la surface, c'est un gros paquet supplémentaire de difficultés à juste y aller, tourner autour et revenir. Y a plusieurs défis techniques. Mais sur quoi est basée ta conviction ? C'est qu'on sait aujourd'hui quelles sont les technologies qu'il faut maîtriser et quelles sont les préparations psychologiques qu'il faut mettre en place pour qu'à un moment donné dans le futur, on soit prêt. On sait ce qu'il faut faire pour être prêt un jour. On n'est pas prêt aujourd'hui, mais on sait ce qu'il faut faire pour être prêt. Alors, on sera prêt. Est-ce qu'on sera prêt dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Mais dans les décennies qui viennent, à un moment donné, on sera prêt. D'ailleurs, les Chinois ont annoncé sérieusement, ils visent, enfin c'est un peu tard maintenant, mais ils ont annoncé la fenêtre de 2033 qui est très favorable. Parce que tous les 2 ans et 2 mois, il y a une fenêtre favorable pour lancer quelque chose vers Mars. Et tous les 6 fenêtres favorables, il y en a une qui est super favorable. Tu es d'accord hein, avec ce que je dis ? Oui, le spécialiste de Mars, là-bas. Mais donc, la prochaine, c'est 2033, d'après ce que j'ai compris. Et les Chinois se disent, on va envoyer des astronautes vers Mars et qui reviendront donc 2 ans et demi après, 2 ans et 4 mois. Ou... Mais non, on aura les moyens. Je pense que, techniquement, on sait faire les fusées, les vaisseaux, pour le faire dans les décennies qui viennent. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on aura... On aura fait ce qu'il faut pour être sûr que les équipages qu'on envoie soient câblés mentalement, physiquement, physiologiquement pour ça. Ne serait-ce que les radiations. On n'est pas égaux. C'est pour ça que je pense que dans les prochaines sélections d'astronautes, il y a eu des tentatives assez fortes dans les sélections passées d'introduire des critères génétiques. C'est interdit par la loi aujourd'hui, mais on n'est pas égaux. Et une fois qu'on aura bien isolé, c'est-à-dire qu'on connaîtra bien quels sont les gènes qui sont associés à tel risque accru de développer un cancer lié aux radiations ou autres, ou des classifications, eh bien peut-être qu'on gardera pour dire, bah lui, il a un peu plus de chances de mieux tenir que celle-là. Ou... Qu'est-ce que t'inspire des sociétés privées comme SpaceX avec, je dirais, l'objectif déclaré d'Elon Musk de rejoindre Mars ? Est-ce que, puisque tu parles de la NASA, que tu connais bien, évidemment, l'environnement qui a été celui d'Apollo, puis des navettes spatiales, est-ce que on n'est pas en train de basculer d'un monde ancien à un monde nouveau ? C'est une volonté du Congrès. En fait, c'est la NASA qui a engendré SpaceX. Parfois, on pose la question, qu'est-ce que tu penses de la compétition entre le privé, SpaceX et la NASA ? Il n'y a pas de compétition, c'est l'inverse. C'est parce que la NASA a eu comme instruction de ne plus développer en interne ses vaisseaux. C'est toujours l'industrie privée qui a construit les vaisseaux sur spécification technique de la NASA, qui, une fois construits, en devenait propriétaire et les mettait en œuvre, les opérait, comme on dit, de son propre centre de contrôle. Là, la NASA achète maintenant un service. Et c'est parce que le Congrès lui a dit, si vous trouvez une société qui peut fournir le service de transport de cargaison vers l'ISS, eh bien, préférez cette solution à le développer en interne.
Quand je dis développer en interne, ça ne sous-entend pas de fabriquer. C'est toujours, c'est des contrats à l'industrie. Mais le faire marcher la chose en interne. Donc Elon Musk, il a arrêté son doctorat en cours d'astronautique. Il faisait un doctorat en propulsion spatiale, hein, pour créer SpaceX, pour gagner ses contrats. Donc si la NASA n'avait pas été le premier client en lui mettant 900 millions sur la table, je ne sais plus à l'époque, en disant voilà, je vous mets ça, avec ça dans tant d'années, vous me faites tant de ravitaillement de l'ISS, il n'y aurait pas SpaceX. SpaceX existe parce qu'il y a eu cette opportunité d'un client institutionnel, la NASA, qui a dit dorénavant, je ne vais plus moi-même faire les choses, je vais acheter un ticket. Mais avec un homme aujourd'hui qui a les moyens d'un État. Alors ça, c'est l'autre aspect de SpaceX, c'est que celui qui l'a fondé, c'est un visionnaire habité par sa vision, mais convaincu, habité. Et j'ai un collègue qui a candidaté pour SpaceX, et dans le contrat, il y avait marqué il fallait adhérer à la vision de SpaceX, qui, comme priorité numéro un, c'est mettre l'homme ou la femme sur Mars le plus vite possible. Et pas en priorité faire plein de gains, quoi. Mais il est très fort. Il est très fort en astronautique, il a lu tous les bouquins, il comprend tout. Donc il est plus fort que ses propres ingénieurs en astronautique, souvent. Et il a des idées qui sont très innovantes et très osées. Parce que chercher à récupérer le premier étage de la fusée, bon, c'est un délice pour les ingénieurs, parce que c'est pas difficile techniquement. C'est difficile technologiquement, mais techniquement, tous les ingénieurs savent calculer le pilotage et ce qu'il faut faire. Mais pour que ce soit rentable, c'est ce que me disent les constructeurs, il faut savoir à l'avance que vous lancerez au moins 15 ou 20 fusées par an. Parce que le carburant que vous utilisez pour revenir, c'est du carburant que vous ne consacrez pas de la masse que vous mettez dans l'espace. Donc pour que ce soit rentable au fin du compte et qu'à la fin un lancement coûte moins cher, il faut faire un certain nombre de lancements qui dépassent une certaine... Et nous, on a les ingénieurs se sont posé la question à l'époque d'Ariane, il y a 50 ans, 40 ans, les constructeurs de fusées en Europe, ils savaient que ce n'était pas rentable d'essayer de récupérer. Mais lui, il a fait, et il en est à 100 lancements par an, quoi. C'est hallucinant. Et parce qu'il a créé son propre client. Et en créant Starlink, bon, il a son client qui achète des vols. Et... Aujourd'hui, les Européens se reposent la question de savoir s'ils pourraient avoir un accès indépendant à l'espace. Tu as travaillé dans le passé au programme Hermès, par exemple. Accès pour le vol habité. Pour le vol habité. Vol habité. Et est-ce que cette question te paraît aujourd'hui pertinente? Est-ce que les Européens, selon toi, doivent avoir un accès indépendant à l'espace habité? Alors, je pense qu'elle n'est pas plus ou moins pertinente aujourd'hui qu'avant. Elle a toujours été le rêve, des spécialistes du spatial. Ça dépend vraiment de ceux qui ont le pouvoir de décider de lancer ces programmes et de les financer. Alors, si vous avez un milliardaire qui dit « je finance », bah on le fait. Mais pour le moment, ce sont les États en Europe. Donc, à un moment donné, ils étaient fanas, on a lancé le programme Hermès. Et puis, vous savez, pour un dirigeant politique qui ne connaît rien à l'astronautique parce que c'est compliqué, ce n'est pas facile de défendre un programme dont il n'aura pas les mots pour le soutenir. Et puis, pour une grande majorité des gens, comme l'espace, c'est impalpable, hein, l'astronautique, l'astronomie encore, on voit les étoiles. On sait ce que c'est l'astronomie. Parce qu'on voit la Lune, on voit les étoiles, donc quelqu'un qui étudie les étoiles, ça, on comprend. Mais l'astronautique, qu'il ne faut pas confondre avec l'astronomie, c'est une technique pour ingénieur. L'astronomie, c'est une science pour chercheur. L'astronautique, c'est une technique pour ingénieur qui étudie comment fabriquer des machines qui marchent dans le vide spatial. Et c'est impalpable. Je ne peux pas vous faire voir, toucher l'espace. Le vide spatial, c'est quoi? La pesanteur, c'est quoi? Ça a quelle odeur? Ça fait quel bruit? Ça a quel goût? Donc, c'est difficile de vendre quelque chose que vous ne pouvez pas faire toucher aux taxpayers. Donc, il faut le faire rêver. Il faut lui dire que ça va servir. Donc, c'est compliqué. Donc, il suffit de tomber à un moment donné sur un Charles de Gaulle ou un Kennedy ou un politique de ce style qui en veut et qui met la force, qui entraîne tout le monde, et puis tout le monde va y aller et on va le faire. Et tu notes la puissance onirique du vol spatial, alors en Europe en particulier, et je dirais dans chaque pays européen. En France, on a le, je dirais, Thomas Pesquet, dont on n'a jamais vu aucun astronaute atteindre une telle notoriété de façon aussi rapide, inspirer des écoles, etc. Je sais que tu as fait plus d'un millier de conférences dans les écoles et donc tu es aussi extrêmement impliqué. Oui, non, mais bon, les réseaux sociaux... Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour toi, hein, Thomas Pesquet? Alors, ça signifie que le grand public s'intéresse beaucoup plus à l'espace maintenant qu'avant. Mais si vous demandez, est-ce que vous connaissez l'ESA? Il y a probablement, il y avait peut-être une personne sur 20 ou sur 30 il y a 10 ans.
Maintenant, c'est peut-être 5 à 10 sur 20. Quoi. C'est, je veux dire, l'ESA est plus connu. Alors, c'est une volonté de l'ESA, avec la sélection de Thomas et de sa promo, d'utiliser les vols spatiaux habités et l'image des astronautes pour faire connaître l'ESA. Avant, il n'y avait aucun mandat du service de com pour faire ça. Donc la com répondait qu'aux demandes des journalistes qui étaient intéressés, qui voulaient une vidéo ou une interview. Bon, en plus, il n'y a pas eu de français pendant 10 ans. On a introduit des réseaux sociaux, donc tous les astronautes qu'on a sélectionnés en 2009. Donc j'étais dans le jury, après on m'a nommé coach pendant un an de sa promo. Hein. Ce qui est dommage, c'est que chaque pays s'intéresse qu'au sien. Donc en France, personne ne connaît Tim Peake. Tim Peake, c'est Thomas Pesquet, britannique. Hein. Et Samantha Cristoforetti, Luca en Italie, Alexander Gerst, géologue, vulcanologue en Allemagne. Donc quand on se demande quel sera le premier Européen à aller vers la Lune, comme l'Allemagne paye plus que la France et que leur astronaute il est vulcanologue, il a peut-être plus de chances. Mais la question c'est, est-ce que c'est plus intéressant d'être le premier Européen vers la Lune ou le premier Européen sur la Lune? Parce qu'à ce jour, on a 3 places signées pour des Européens vers la Lune. Parmi les missions Artemis vers la Lune, dans la décennie qui vient, parmi toutes ces missions, il y en a 3 où il y aura un siège pour un Européen. Il n'y a rien de signé encore pour qu'un de ces sièges inclue celui qui descend à la surface. Ou celle. Ou celle. Et, mais ça viendra peut-être dans les négociations et les accords à venir. Et donc si on te donnait le choix, tu choisis le premier vol vers la Lune ou tu attends d'avoir le vol qui inclut le poser sur la surface? Le plus vite, le plus rapide. Parce qu'il y a toujours des délais, il y a toujours beaucoup de temps. Quoi que ça me rappelle quand j'ai été convoqué dans le bureau des astronautes pour mon deuxième vol spatial. Billy Bob, là, il est temps pour toi que je te nomme à ton deuxième vol spatial. Ton nom est remonté en haut de la liste. Hein. Quand on revient d'un vol, on est mis en bas, le nom monte, et puis voilà, après c'est à nouveau à votre tour. Alors écoute, j'ai 2 propositions. Est-ce que tu veux voler le plus vite possible ou tu es prêt à attendre un peu pour faire un vol peut-être qui t'intéresse plus, qui t'intéressera plus? Je lui dis, mais de quoi? De quel vol? Ben, y a un vol Space Lab en avril 97. Mais si tu es prêt à attendre un peu, je lui dis, mais combien de temps? Ben, un mois ou deux. Il y a un vol vers Mir. Docking, accostage de la navette spatiale Atlantis vers la station Mir. Alors moi, j'ai été sélectionné a priori pour voler avec les Russes. J'ai appris le russe, 550 heures en 2 mois et demi, hein, 6 à 8 heures de russe par jour, tous les jours pendant 2 mois et demi. Et puis je me suis entraîné là-bas. Ben, je lui ai dit, bon, un mois après. Cela dit, si j'avais choisi le vol Space Lab, j'aurais volé 2 fois. Parce qu'à bord de Space Lab, dès le début du vol, ils ont eu un problème sur une pile à combustible. Le vol a été écourté, ils sont revenus. Et le même équipage, le même vol, la même payload a volé en juillet. Donc, de décollage en quelques mois. Mais pour venir aux astronautes des nouvelles générations, grâce aux réseaux sociaux, on a vraiment pu communiquer plus facilement avec le grand public, expliquer ce que c'est. En plus, on a des caméras à 11K de résolution dans l'espace aujourd'hui. Donc le 4K, il est démodé. Donc on a des photos, ouais, et des films hallucinants de résolution. Et quand ils vont marcher sur la Lune, ça va être extraordinaire, ah oui, en termes d'image. Tu as participé à l'entraînement, à la sélection. Alors j'étais jury pour la sélection. Non, mais pour les nouveaux astronautes. Hein. Tu parles des tout nouveaux? Les tout nouveaux. Non, j'ai été dans le jury qui a écrit les critères. D'accord. Mais pour les interviews, en fait, j'étais pas disponible quand on m'a demandé. Mais ça s'est passé selon le même processus que la fois précédente, sauf que ça a pris un peu plus longtemps parce qu'au départ, à l'entrée, il y avait 2 fois plus de candidats. Ouais. Au lieu de 10 000, on avait 22 000 et quelques. Alors, ça va être ma dernière question. On pourrait beaucoup, beaucoup encore continuer et parler d'espace. Mais aujourd'hui, la question, c'est finalement pour les jeunes générations qui souhaitent faire ce métier. Très peu de place, on a dit presque 600 personnes qui sont allées depuis le début de l'exploration spatiale en orbite autour de la Terre. C'est quelques personnes en Europe et c'est 1 à 2 Français à chaque fois dans chaque sélection. Qu'est-ce que tu recommandes? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit « moi j'ai envie de faire ce métier voilà, ». Quels sont tes conseils? Contrairement à médecin, astrophysicien, pilote, il y a des formations qui mènent garantie au bout si vous faites bien le job. Astronaute, tu peux avoir tout de bon. Si tu n'as pas la chance à la fin, ben tu peux ne pas être pris. Parce qu'il y a toujours 3 à 4 fois plus de candidats finalistes, tous et excellents pour le job, qu'il n'y a de place.
Alors pourquoi moi et pas lui ou elle ce jour-là? Ben ce jour-là, j'ai eu de la chance. C'était mon tour. Donc on n'est jamais sûr aujourd'hui. Ça, c'est qu'on sera sélectionné, même si on a tout de bon a priori. Cela dit, si on est tenace, par exemple Sophie Anneau, candidate à la sélection de 2008, qui a été annoncée en 2009, mais elle est trop jeune. Vous connaissez son profil, super-héros, ingénieur chez Airbus Hélicoptère, puis elle s'est dit, tiens, les hélicoptères, c'est sympa, je vais apprendre à piloter, puis elle s'est engagée dans l'armée de l'air, pilote d'hélicoptère de militaire. Elle est allée faire du soutien aux troupes en Afghanistan sur un site, un terrain de guerre. Après, elle est revenue. Elle a demandé à faire le concours d'entrée pour être pilote d'essai d'hélicoptère, sortie major du concours. L'armée de l'air lui a dit non, non, on préfère garder là où tu es. Donc, elle était démoralisée. Puis finalement, l'armée de l'air a dit OK. Donc, elle est allée faire l'école d'essai de pilote d'hélicoptère en Angleterre. Et donc, c'est la première femme pilote d'essai d'hélicoptère française. Et donc, elle a réussi à orienter ses choix de carrière de façon à maximiser ses chances d'être sélectionnée à la fois suivante, en sachant qu'elle serait à la limite peut-être trop âgée, et sans pour autant dévier de ce qui lui plaît dans son job. Et on l'a prise à 40 ans. Donc, un peu à la limite, mais elle coche toutes les cases. Et elle a, comme les autres sélectionnés d'ailleurs, elle a un profil polyvalent, ingénieur, pilote d'essai, et Arnaud Prost, donc 10 ans plus jeune, mais pareil, super héros. Il fait sa thèse à la Comex, où je l'ai rencontré il y a 6-7 ans. Il est devenu plongeur professionnel. Il a passé un master 2 en astrophysique aux États-Unis. Et puis, quand j'ai discuté avec lui à l'époque, il y a 7 ans, oui, c'était il y a 8 ans, 2015, je l'ai aidé pour orienter son choix et rentrer dans la DGA comme ingénieur de l'armement, donc le même profil que moi. Et d'ailleurs, il me dit, je te remercierai jamais assez. Il est rentré à DGA, il est pilote de Rafale aujourd'hui. Il a passé son brevet de pilote de combat et il est ingénieur d'essai, pilote de chasse, breveté, astrophysicien, plongeur professionnel. Et tous ceux qu'on a sélectionnés en novembre, l'an dernier, ils ont tous deux caractéristiques communes. Un profil polyvalent en termes d'expérience académique et expérience internationale aussi. Donc l'international et la polyvalence dans les diplômes ou l'expérience professionnelle. Et ça, c'est ce dont on a besoin, parce que plus tard, les équipages vont partir longtemps, loin, dans un volume petit. On aura besoin de beaucoup de plus de spécialités qu'il n'y a de place. Dans un vol navette, il y a 7 à 8 personnes. Dans l'ISS, ils sont 6 ou 7. Vous pouvez avoir un géologue, un médecin, un plongeur, un pilote. Mais là, quand ils seront 3, 4 à partir vers la Lune, vers Mars. Tu as éteint ton portable? C'est parce que j'ai un message d'Elon Musk qui recherche un type chanceux avec de l'expérience pour partir faire un vol autour de Mars. T'es libre? Ah, alors il faut que j'en parle à ma femme, à mes enfants. Non, mais moi, je veux bien partir vers Mars à condition d'être intégré très en amont dans le programme. Je ne pense pas raisonnable que ceux qui partent soient des personnes à qui on leur dit voilà le vaisseau qu'on a conçu pour vous, il marche comme ça, si vous avez des pannes, voilà comment ça marche. Non, il faut que le vaisseau, il se l'approprie. C'est un peu ce qu'a fait John Young et Bob Crippen avec la navette. Si les astronautes, il faut mettre des astronautes très tôt dans la conception des systèmes, des interfaces, des concepts de sécurité, de redondance, de procédures, d'introduction de l'intelligence artificielle à bord, parce qu'on aura plus centre de contrôle pour vous aider pour plusieurs types de pannes. Le recyclage, on recycle l'urine aujourd'hui, on ne recycle pas encore à bord les déchets solides, mais on teste. On nourrit des rats aujourd'hui dans le programme Mélissa, un programme international piloté par l'ESA. On nourrit des rats d'excréments humains recyclés dans des réacteurs biologiques. Donc, ce n'est pas encore au point pour que ça marche pour des humains. Mais je veux dire, il faudra qu'on soit plus performant dans le recyclage. Il faut aussi, si possible, améliorer la propulsion. On aura, sur le plan physiologique, donc il y a la pesanteur, c'est 2 ans à 2 ans et demi. Hein. Les Toubibs disent aujourd'hui, on pense avoir bien maîtrisé ce qu'il faut faire pour tenir 2 ans en apesanteur continue un être humain et lui permettant de revivre normalement sur Terre. Mais là, c'est quand même 2 ans, c'est plus que 2 ans, l'aller-retour vers Mars. 500 jours. Donc, ouais. Non, mais je pars, mais donnez-moi 10-15 ans pour bien m'imbiber du programme. Voilà. Bon. Ben, très bien, nous avons parlé des 20 premières pages d'entretien avec un astronaute. Il vous reste les 250 autres. Merci à toi, Jean-François. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.
Merci à tous. Live long and prosper. Godspeed.